Coucou tout le monde, c'est Sophia et bienvenue dans notre nouvel épisode du Tour du monde de la cuisine. Et dans cet épisode, c'est une recette de houmous que nous allons voir ensemble. Je reste vague sur le lieu de destination car je vais vous parler du houmous. Il n'est pas facile de savoir où ce plat est né puisque 8 pays en revendiquent la paternité. On regarde ensemble les ingrédients. Pour cette recette, nous aurons besoin de 400 g de pois chiches cuits, 100 g de graines de sésame, 4 cuillères à soupe d'huile de sésame, un citron, 2 gousses d'ail, de l'huile d'olive, du sel, du poivre, du paprika et du cumin. Commençons par les pois chiches. Conservez l'eau et retirez la peau de ceux-ci. Pressez le citron. Faire dorer vos graines de sésame dans votre huile de sésame. Passez-les au mixeur jusqu'à obtenir une pâte et réservez. Placez dans votre mixeur vos pois chiches, la pâte de sésame, l'ail, le jus de citron, le sel et le poivre. Mixez le tout. Ajoutez progressivement l'huile d'olive tout en vérifiant la texture du houmous. S'il est encore trop épais, ajoutez votre pois chiche. Dressez dans une assiette creuse et décorez de cumin et de paprika. Et j'ai décoré ce plat de paprika, de cumin et d'un peu d'huile d'olive. Vous pouvez le décorer à votre guise. Et ça haftorko. Si cette recette vous a plu, n'hésitez pas à aller découvrir nos autres recettes sur notre chaîne YouTube, juste là, à découvrir mon compte Instagram, juste ici. Lâchez-nous plein de j'aime, plein de commentaires et je vous fais des bisous.